Mes frérots, bienvenue encore une fois dans ce let's play de Payback. Oui, moi j'aime beaucoup ce petit let's play parce que je prends un plaisir de parler, parce que je connais le jeu par cœur. On va pas se mentir, frérot, que j'ai la barbe qui part un peu en couille. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je prenne un rendez-vous parce que j'aimerais bien la garder, mais Théma. Bon, en même temps, aujourd'hui, les gars, je suis pas sorti de chez moi. Hein. Tel un ermite ne sort pas de sa coquille. Accident en direct sur le teco. Hein, voilà, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, voilà. Bref, alors, on a pas mal de trucs à faire aujourd'hui, notamment du drift. On commence à être là, on commence à être light. Hein. En termes de level, va falloir qu'on aille passer un petit coup. Ça, on est bon. Alors là, on n'est pas du tout bon. Et là, on est quoi? On n'est pas bon. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va aller, hop là. On va aller tout simplement changer de caisse. On va aller changer de caisse pour le drift. On va améliorer notre voiture pour le drift. Et puis, let's go. En tout cas. J'ai vu que l'épisode dernier, je peux... Non? Ok. Ah, mais je m'étais trompé de garage. L'épisode dernier de 2 heures vous a vraiment beaucoup plu. Vraiment, vraiment beaucoup plu. Eh ben, on va réitérer l'expérience. Hein. On va réitérer l'expérience. Alors, peut-être pas sur cet épisode-là, parce que... je dois faire des choses pour notamment un petit live quand même. Hein. Ah mais les gars, je vous dis que les gars, en fait, j'ai une poisse. Mais une poisse. Pourquoi je dis que j'ai une... Mais c'était pas ça que je voulais. Pourquoi je dis j'ai la poisse, les gars? Mais j'ai la poisse. À chaque fois que j'annonce live, etc., etc., à chaque fois, alors attendez, le drift, c'est celle-ci. On va aller faire le drift en premier. Là, je voulais simplement sortir l'orange pour l'avoir après. À chaque fois que j'annonce un live, les gars, à chaque fois. Alors, tempête, coupure d'électricité, bon, la totale. La totale. Hein, à chaque fois. Donc, en fait, je dis plus rien. Je dis plus rien à chaque fois que je dis. Alors, les gars, telle semaine, tatati, on va faire ça, tatata. Les gars, à chaque fois, je me tape des coupures d'électricité. Ouais, au bout d'un moment, les gars, commence à me saouler, moi. Un truc de ouf, quoi. Alors, du coup. Let's go. On va l'améliorer. On va essayer d'améliorer au max. Hein. Ou devrais-je dire participant au speedcross? Et oui, Là. les speedcross series arrivent à Fortune Valley. Oui, bon, le speedcross, on va pas le faire tout de suite, frérot. Attendez-vous à des drifts et à des sauts de folie. Voilà. Beaucoup de casse. Il paraît même que Jason Monroe, monsieur Barracuda en personne, a fait partie Ouais, je sais pas trop là. de Faut mieux de l'accélération quand même que de la vitesse. Ok. Il nous faut quoi là? Il nous faudrait bah, tout en fait, moteur, moteur et tout. Vas-y, moteur. Moteur. Ouais, vas-y. Hein. Après, freins, honnêtement, les freins, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, on va pas se mentir, les gars, que les freins, 7 dans culasse, calculateur. Les freins, on s'en fout un peu. Hein. De toute façon, on s'est drifté, les gars. On s'est drifté. On a quand même tenu des world records. Ah, je dis ça, je dis rien, mais. Bon, on gagne des freins. Super. Super. Hop là. On perd un peu de vitesse, mais bon, c'est pas grave. Turbo. Attends. Frein. Transmission. Parce que on s'en fout un petit peu hein, du vol plané.
Ouais, Sony trop, bon, on s'en fout un peu, mais ça fait plaisir. 142, j'ai envie de dire, on n'est pas trop trop mal. Échappement, 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 échappement. En tout cas, j'espère que vous, ça va bien, les petits frérots. J'espère que vous êtes bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bon, pour moi, ça va. Hein. Putain, on tape des freins, putain. Ouais. J'aurais préféré autre chose, mais bon. Et on va faire le turbo. Bon, pour moi, tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Au moment où je vous parle, on est lundi. J'ai hâte de vous stream. Ah, ma petite partie! Oui, on ira sur TDU ensemble. Et on a probablement déjà été sur TDU. Eh oui, les gars. Eh oui. Les gars. Je crois, je vous en ai pas parlé. Ben non, parce que du coup, on n'en a pas parlé. Je sais plus. Non, on n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé parce que c'était après le let's play de la dernière fois. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai refusé le partenariat avec Nakon. J'ai refusé le partenariat avec Nakon. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, hein. D'ailleurs, si vous voulez voir des stories à des moments, des choses comme ça, les gars, allez-y, c'est sur Instagram. Je dis des termes. On ne vit que pour les virages et la vitesse. On est toujours sur le fil du rasoir entre la vie et la mort, l'adhérence et le dérapage. Je suis Aki Kimura, le roi du drift. Bienvenue chez Nice Bomb. Bon, Aki Kimura, le Drift King, il est là. On va t'éteindre. En plus, on... les gars, on drift avec une Infinity. Une Infinity, les gars. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc j'ai refusé. Alors attendez, je vais faire un truc vite fait. On m'a demandé d'activer les sous-titres. Alors il n'y a rien de tel qui va m'énerver. Mais bon, on me l'a demandé. Ça fait 2-3 fois qu'on me le demande. Alors s'ils sont pas trop gros, je les garde. S'ils sont trop gros, c'est mort. Ouais, donc j'ai refusé. Oula. Oula, mais oula. Alors, honnêtement, je l'ai refusé. Parce que déjà, je ne crois pas à leur jeu et je n'ai pas envie, comme je vous le dis, de faire de la mauvaise pub. J'ai déjà refusé deux partenariats, les gars, pour ce jeu, hein, et je continuerai à refuser des partenariats pour ce jeu. Voilà, je vous le dis. Du plus, les réponses bah, étaient exhaustives, hein, c'est-à-dire que les réponses que j'ai eu beau d'expliquer que j'ai subi, on va dire, un harcèlement, insultes, menaces de la part de leur communauté, ils ont même pas été capables de dire un mot là-dessus. Oula, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Ils m'ont dit, t'es, je leur ai dit. Et eux m'ont dit quoi? Ah bah ok, très bien, on comprend. Je sais pas, recadre ta communauté de chiens galeux là. Ta communauté de gogoles. Alors ils sont pas tous dans le même sac, hein, bien évidemment les gars. Ils sont pas tous dans le même sac. Bien sûr. Je suis méchant il y a certains moments. Mais moi je sais faire la part des choses, tu vois. Eux ne savent pas. Eux sont persuadés que leur jeu sera le meilleur jeu du monde. Moi j'espère hein, qu'il deviendra, mais j'y crois pas. Si là, à l'heure actuelle, le jeu devient vraiment un jeu incroyable, oui.
Oui, là, moi, j'aimerais bien hein, que le jeu soit bon, qu'on passe du temps dessus, etc. Mais malgré que je l'ai acheté 90 balles, parce que oui, les gars, hein, moi, on me l'a pas offert. Hein. Moi, il n'y a pas eu de cadeau hein, de la part de Nakon. Hein, à part me demander, etc., un peu tardivement, j'aurais pu avoir le jeu sur tous les supports si je voulais. Hein, parce que, comme je vous dis, il y a un site qui m'a appelé. Qui m'a contacté pour faire une promo par rapport à TDU. Un truc de revente de clés, un peu comme Instant Gaming. Alors déjà, éthiquement parlant, je suis en partenariat avec Instant Gaming, donc je ne vais pas chez la concurrence. Déjà de base, je suis fidèle. Je suis fidèle, moi. Moi, je suis fidèle. Et comme je le dis, j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de vous dire tout ça parce que pour gagner de l'argent derrière, je n'ai pas envie de vous dire achetez ce jeu, etc., etc. Même, je pourrais vous dire, oh bah, achetez ce jeu, il est trop bien, les gars, achetez ce jeu, allez-y. Non, non, non. Et après, plus jamais entendre, plus jamais vous parler, plus jamais je parlerai du jeu, tu vois. Envoyé au garage. Plus jamais, jamais, du moins, pardon, jamais je ne ferai ça. J'espère que vous comprenez bien la chose, les gars. Après, moi, quand on me dit, ouais, mais t'es ceci, t'es cela. Les gars. Dites ce que vous voulez sur moi, il n'y a pas de problème. Je m'en fous, en fait. Je me fous, en fait, de ce que vous pensez de moi, au fond. Mais quand j'entends certains créateurs de contenu. De toute façon, un jour, le jour où je m'en irai, les gars, je dirai ce que je pense sur chacun des créateurs de contenu. Merde, on aurait dû spawn là. Parce que, mine de rien, les gars, moi je vais vous dire un truc. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire qui, pour certains, vont les très, qui vont étonner. Tu vois. Alors, je suis pas prêt de partir pour le moment. Mais croyez-moi, le jour où je vais partir, voilà. De toute façon, qu'est-ce que j'en aurais à foutre? Parce qu'il y en a des, les gars, ils me prennent un peu pour un con. Merde, je me suis trompé. Il y en a des, ils me prennent un peu pour un con, tu vois. Ils me prennent vraiment pour des cons. C'est. Et vous aussi, ils vous prennent pour des cons, hein. Bien sûr, hein. Mais bien évidemment. Bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, ils vont faire la promo de TDU. Hein. Les premières vidéos ont bien marché, donc ça leur plaît. Et puis, dès que ça... dès que, bon, le jeu va avoir un peu de déclin, vous n'allez pas leur voir dessus. Hein. Ah bah, bien sûr. Ou dès que ça sera terminé, la hype, terminée, les gars, vous le verrez plus dessus. Hein. Ah bah non, non, non. Chacun retourne dans son jeu d'habitude. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Moi, les gars, la vidéo de lundi, je vous ai fait une petite vidéo sur un jeu. Je l'ai fait parce que je kiffais, tu vois, le truc, machin et tout. Vous en avez vu d'autres? Faire ça? Non, bah non. Parce que pour eux, ouais, bah, t'as un jeu qui marchera pas forcément, qui fera pas beaucoup de vues. Ah, les gars. Au bout d'un moment, au bout, hein, pour aller se faire foutre. Et puis, tout ce que je vous ai dit par rapport aux demandes de partenariat, nanani, nanana, parce que je vous le dis, hein, normalement, aujourd'hui ou jeudi, aujourd'hui ou jeudi, je sais plus. Je devais partir dans un truc chez Nakon avec les éditeurs du jeu et patati et patata, sucer de la bite, regardez comme notre jeu il est bien. Non. Je m'en tamponne. Tu vois?
Là, je m'en fous votre truc là. Déjà, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. C'est tout. C'est bon. Faire 3 heures de train pour sucer une bite, frérot. Au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça, hein, les gars. Hein. C'est déjà, on nous suce la bite à nous, créateurs de contenu. Si on nous suce la bite, c'est pour que. Oh merde. C'est pour qu'on dise du bien. Ah, bien sûr. Hein. On t'invite. Ah bah, c'est tout est payé par Nakon. S'il y a besoin d'un hôtel, on peut vous loger. Et nanani, et nanana. Ouais, c'est bien en fait. Mais le pire, vous voyez les gars, j'ai une victoire là-dessus. Parce que tu vois, j'ai prouvé à la communauté, à cette sale communauté, que tu peux dire de la merde. Tu peux dire des méchancetés sur le jeu. Ils s'en foutent, les éditeurs, les gars. Ils s'en tapent le cul. Ils s'en foutent totalement. Regardez, les gars, j'ai fait que de cracher sur le jeu. Pas que. Mais principalement, j'ai dit ce que je pensais. J'ai dit ce qui allait pas. Les gars, qui c'est qui a été invité? Moi. Et comme je vous l'avais dit, les gars, sucer le jeu, ça sert à rien. C'est comme l'autre, le flow, je sais pas quoi, là. Le mec qui fait que du TDU, là. Ça sert à rien de sucer, frérot. Ça sert à rien, t'es au même stade que moi. Hein. Ah ouais, t'es pareil, hein. Voilà. Eh ouais, les gars, l'authenticité. L'authenticité, et je vous l'ai toujours dit. Toujours, je vous ai dit, les gars, restez comme vous êtes. C'est pas parce qu'on vous propose tant qu'il faut changer. C'est pas parce qu'on vous propose des avantages que machin vous n'avez pas qu'il faut changer. Alors, bon, bien sûr. Dans le monde du travail, c'est pas pareil. Il faut gagner son argent aussi, tu vois. Mais dans ce qui est ton hobby, même si tu viens gagner de l'argent par rapport à ça, tu sais, des fois, il faut quand même réfléchir un petit peu à ce que l'on fait, tu vois. C'est pas moi de point de vue éthique, les gars. Jamais j'aurais pu accepter, même s'il y aurait rien eu avec la communauté. Jamais de la vie j'aurais accepté avec tout ce que j'ai pu dire sur le jeu. Ah, quelle crédibilité j'aurais eu. Quelle crédibilité j'aurais eu, les gars. Deux mois avant, le mec, ah, le jeu machin, ah, le jeu ceci. Et après, tout ça parce qu'on m'invite, je vais changer. Ah. Ah là 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 là. Oula. Ah putain. Et je tousse toujours, putain, j'en ai marre. Mon best, c'est pas la coqueluche que j'aime. Enfin bref. Là où je veux vous emmener dans cette histoire, les gars, c'est que ce qui s'est passé avec Nakon est tout simplement bah, à l'image. Quoi? Et à l'image de ce que je vous ai toujours dit, restez vous-même. Restez vous-même, les gars. Et plus vous allez rester vous-même, les gars, bah, plus vous allez être bah, récompensé de rester vous-même au bout d'un moment. Vous allez passer par des étapes un peu. Moi, les gars, il y a des trucs que, à l'époque, j'ai regretté. J'ai regretté d'avoir dit certaines choses, tu vois. Mais, les gars, réfléchissez 5 minutes. Tu sais, après, t'as un truc dans la vie, ça s'appelle l'amour-propre. Je dis pas qu'il faut s'auto-sucer tout le temps, tu vois. Mais il faut avoir un peu. Faut pouvoir se regarder le matin en se levant dans une glace, tu vois. Moi, je connais plein de personnes, les gars, qui ont des postes à responsabilité. Des mecs, tu vois, qui virent des gens. Je connais des gens qui font ça. Tu vois. Et croyez-moi. Quand je dis ça, c'est des personnes qui tiennent des entreprises. Hein.
Peut-être à des moments, peut-être quand tu fais le barbeau, quand tu fais le machin, etc., quand tu pètes plus haut que ton cul, bah. Combien de fois je lui ai dit? Je lui ai dit, mais tu te rends compte que là, tu lui as dit ça comme ça, machin et tout? Il dit, ouais, mais de toute façon, faut que ça soit comme ça et pas autrement. Mais tu vois, le mec, restez comme vous êtes, quoi. C'est pas parce que tu gagnes plus qu'un autre ou parce que tu fais plus présentable qu'un autre que machin. C'est. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Moi qui ai eu un poste à responsabilité aussi, les gars, quand il fallait dire les termes, je disais les termes. Tu vois? Mais ça m'empêchait pas, après d'avoir dit les termes, d'être normal. De redevenir normal, quoi. Toujours le gars qui rigole. Toujours le gars qui. Voilà. Qui est gentil, qui est machin, qui est serviable, qui est ceci, qui est cela. C'est tout. C'est pour ça que. Voilà. Il y a des moments, je dis pas. Il y a des moments, des fois, les gars, je ne dis pas On est à 161 là. Hop, l'année. Oh, pire, ouais. Allez, hop. Il y a des moments, je dis pas, les gars, qu'il faut. Encore? Ah, maintenant, faut redescendre. Ok. Oh, si tu crois que c'est ça qui va nous faire peur, frérot. Bah, bref, allez, on arrête de parler de ça, là. De toute manière, hein. C'est fait, c'est fait. On attend la sortie du jeu qui est dans à peine 10 jours maintenant. Et on verra la chose. C'est tout. On verra la chose telle qu'elle est. Et encore une fois, je n'aurai aucun mal à dire ce que je pense. Et si il faut retourner sa veste en disant que le jeu est bien, parce que le jeu est bien. Bah écoute. On le fera. Mais j'y crois pas, quoi. Putain, moi, le problème, c'est que je suis quelqu'un qui est borné buté, quoi. Quand je ne crois pas à un truc. Comme je ne crois pas à un truc, je ne crois pas au truc, quoi. Tu peux hein, essayer de me faire changer d'avis, machin et tout. Mais si moi, j'estime que non. C'est comme. Je vous ai déjà raconté ça. T'as les trucs d'esprit, des trucs de machin, les ceci. Moi, j'y crois pas. Parce qu'en fait, je n'y ai pas vu. Bon, sauf une fois. On a perdu le défi! Dommage. En même temps, c'est de ma faute, on est tombé dans la crevasse. Mais bon, on s'en fout. On n'est pas à 1000 près. Mais. Je pars du principe que si je n'y vois pas, bah. J'y vois pas. Donc frérot, me fais pas croire ce que je ne vois pas. Ou ce que je n'ai pas vu, ou ce que je n'ai pas connu. Je suis normal. J'avoue, t'as assuré sur le run de l'astronome. T'as la cote. Sur les réseaux sociaux surtout. Ah ouais? Cool. Ils ont fait le rapprochement avec ta prestation au Shift Club. T'es en train de devenir une légende du drift ici, on dirait. J'ai toujours été une légende. Fortune Valley a juste fini par la prendre aussi. Bref. T'as gagné le droit de t'attaquer à mon score. On se voit au Silver Canyon All-Star. C'est bon, t'as terminé? C'est que j'ai de la route, moi. Ah, le bon vieux Marcus! Tu vois, moi j'aime quand il parle comme ça. Arrête de. Allez, bim, vas-y, let's go, frérot, on y va. Là, tu vois, là, on va lui faire mal, là, dans le canyon. Là. Il est où le canyon?
Amérique. Tu peux pas juste me laisser en profiter, hein? Ok, Mac. Va botter des culs, superstar. Va botter des culs. C'est comme sur Twitch, les gars. J'en ai parlé en live Twitch la dernière fois. Les personnes qui m'envoient des bots en sub recommandés. Ah ouais. Ah ok. Ah ouais, d'accord. Bon. On va quand même y aller. De toute manière, on va drifter mieux que lui. On m'envoie des bots, les gars. Pourquoi vous gaspillez votre argent pour essayer de me faire ban? Ça ne marche pas. Putain de merde. Ça ne marche pas, les gars. Vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, les gars, ça me fait rire. Parce que moi, j'aime... La dernière fois, les gars, pendant 3 semaines, j'ai pas live. 3 semaines. Bah, rendez-vous compte qu'il y en a quand même un qui a quand même réussi à m'envoyer des bots. Oula. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Quel niveau de crétin, quoi. Quel niveau de débilité, quoi. S'il te plaît. Après les gars, de toute façon, les personnes qui veulent me voir ban de Twitch, les gars, dites-vous bien que je serai sur YouTube en train de stream, pas de problème. Parce que je ne recréerai pas une chaîne Twitch déjà dans un premier temps. Mais je vous dis les gars, je reçois un mail en me disant vous avez telle personne qui s'est abonnée. Puis je dis, ouais, bon, bah, c'est comme ça, tu sais. Je vous dis, le lendemain, je regarde, les gars, et je vois au moins, allez, plus de... Vous savez, sur les téléphones, vous avez votre boîte mail, et ça vous met les messages. Moi, j'aime pas quand il y a marqué plus ou quoi que ce soit. Et ben là, les gars, c'était marqué plus 1000. Je fais... Comment ça, tu sais, il y a un truc que j'ai loupé, et en fin de compte, non. Oh, putain. Enfin bref. Bon, genre. Le petit coup de frein a fait que le... Vas-y, c'est pas grave, le pari, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, les gars, c'est les pièces. C'est les pièces. Si on peut éviter de mettre de l'argent dans les pièces après, frérot, moi, j'y vais. Hein. Et hop, le drift, on n'en parle plus. Putain, faut que j'enlève cette panière hideuse derrière moi. D'ailleurs, ça me manque énormément d'avoir ma propre pièce. Va falloir que je remédie à ça, d'ailleurs. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je vais encore déménager. Je passe ma vie à déménager, les gars. Mais je kiffe ça. La cheaté, les gars. La cheaté. Bon, on va pas la prendre. Mais la cheaté, quand même. Alors maintenant on va changer de caisse, les gars. On va changer de caisse. On va partir maintenant sur putain, il y a des c'est en off-road, hein. Ouais. C'est le ranch qui va être attendez, on va faire un truc des fois parce que il faut un petit peu custom ça parce que là ça fait vrai. Merde. Modifier l'habillage. Voilà.
Mais non, mais c'est pas ça que je veux, moi, bibliothèque. Comment on fait déjà? Je m'en souviens plus. Ah, communauté, voilà. Alors. Après, j'ai pas de kit, j'ai rien. Par contre, ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup, moi. Mais je crois que je vais partir sur celle-ci, parce que celle-ci, je la trouve vraiment belle. Je la regardais depuis tout à l'heure, là. Quoi qu'il y en a une qui m'attire là. Vous savez que moi, le gris, le noir, tout ça, j'aime bien, moi. Ah, qui c'est qui m'appelle encore là? Putain! Attendez, 2 petites secondes. Je réponds à un message. Hop! Normalement, je mets le téléphone en mode machin, mais. Hop! Hop! Bon, est-ce qu'on lui changerait pas les petites jantes? Est-ce qu'elle n'a pas mérité un petit changement de jantes quand même? Ah oui, d'accord. Ah oui. D'accord. Donc on peut rien faire, quoi. Ok, bon. Eh ben, ça sera bien pour le moment. Ensuite, eh ben, Giulietta. On n'a rien d'autre que la Giulietta. Me semble, la golf, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. On va passer à l'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut faire avec celle-ci? Hauteur. Déjà. Hop, voilà. Merde. Hop. Hop, communauté. Ouh, par exemple, elle a l'air d'être jolie cette peinture-là. Ah oui. Alors, ça me correspond pas, mais elle est très jolie. Le mec, il s'est gavé. Voilà, je vois pas ce qu'il y a de plus là. Alors ça j'aime bien. Ça j'aime bien, moi. Tu vois, simple, clair, net, efficace. Allez hop. Hop, est-ce qu'on peut la tuninguer un petit peu? À mon avis, on l'a dans le cul. Peut-être le pare-choc avant, ouais. Voilà. Non, pas la plaque. Un petit peu de tuning, les gars, ça fait. Est-ce que ça vous fait pas plaisir? Un tout petit peu de tuning, tu vois. À l'ancienne. On avait déjà ce genre de d'aileron là. Ah ouais. On va mettre sobre quand même. Système audio, j'ai jamais compris à quoi ça servait. De toute manière, est-ce que tu as essayé de chercher. Ah. Du principe chez Ghost Game. Hop. Allez. On va améliorer ça tout de suite. Si on peut finir le chapitre, on peut pas. Il y a 5 chapitres. 6 chapitres. Donc là, on en a à 2. Il y a 6 chapitres, il me semble. Hein. Peut-être que je dis des conneries, mais il me semble qu'il y a 6 chapitres. Après, le speedcross, tout ça, on le fera aussi. Hein. Chaque fois, je dis qu'on va le faire au prochain épisode, mais. J'aime tellement cette histoire, les gars. Je vous le dis. Mes très chers pilotes, ici, Hop. la voix de la rue, Ça, on achète. dépêche qui vient de la rue. Noise Bomb n'était en fait qu'un pétard mouillé. Après avoir éliminé le roi du drift en personne, ce sacré Max se rapproche encore davantage de l'Outlaws Rush. Qui pourra l'arrêter? Qui osera Tum, résister? Cher Max, tum. aujourd'hui, la rue est avec toi. T'es trop fort. Hop, on va faire quoi? 10, 10. Culasse moteur, culasse moteur, culasse moteur. Allez, donne-nous du lourd là. Donne-nous du lourd. Je veux du lourd. Parfait.
Ah bah nickel. Bon, on perd en capacité nitro, mais au pire des cas, moi je veux de la puissance. Donc, moteur, non. Turbo, très important le turbo. Allez, vas-y. Tu nous mets un petit NOS. Ou une accélération, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Frein, accélération, parfait. Allez hop, c'est vendu, c'est équipé, c'est acté. Bim, bim, bim. Échappement. Et eh ben, allez hop. Faudrait qu'on récupère de la capacité de nitro. Après, c'est vrai que je joue pas avec les marques, tout mettre sur une marque, etc. Saut nitro accélération. Bon, bah écoutez, c'est ce que je vois. Par exemple, le nitro, il l'augmente de que dalle en fait. C'est pas grave. Calculateur. Calculateur. Faut qu'on y aille mollo hein, sur les jetons parce que. Ça va être chaud après. Putain, on a que de l'accélération. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. C'est ça qu'on aime, quoi. 14. Le moteur. On a... Voilà, transmission aussi. Vas-y, on tente un moteur. On tente un moteur. On tente un moteur. Parce qu'un moteur à 10, c'est quand même pas foufou. Hein. Encore de l'accélération. Incroyable. Incroyable. Putain, on perd encore de la capacité nitro. Vas-y, c'est pas grave. Nous, on veut de la puissance. On veut de la puissance. On tente un coup la transmission et après on arrête. Parce que là on est en train de tout bouffer. Après, sachant que putain, il n'y a jamais de batterie là-dedans. Après, il faut améliorer aussi le off-road, les gars. Voilà, capacité nitro, j'en ai encore moins qu'avant, quoi. Bon. Bon, on va s'arrêter là, hein. Parce que là, on va les fumer. Mais vitesse grand V. Ici même. Let's go. Ici même. Hop. Hop. Pardon. Non, mais tu peux pas me faire passer plutôt par là? Ah putain, mais non, c'est sur le pont. Fuck. Oui, bon, ben, écoute, on va y aller, hein. Elle est énervée la Julia là. Merde. Oh bah putain. Elle est vraiment énervée hein. Putain, je l'avais pas à l'époque, je jouais pas avec. Très clairement, ah, ça me semble plutôt très correct, quoi. Putain, j'ai cru que je m'étais trompé. Putain, il y a toujours encore ces flashs là, putain, comme ça me casse les couilles, ça. Oh, bah, je l'ai pas chopé. Oh, bah, tant pis. Mais elle va mieux en drift que notre voiture de drift quoi, incroyable. Oula. En fait, c'est peut-être elle que j'aurais dû prendre en drift. En vrai. Oula. Allez! Bah, c'est qu'une petite sortie de route, ça va.
nous a tous foutus hors de la ville. Mais ici, on s'est trouvé une cause commune. On est les Silver Six, et un jour, le monde entier connaîtra nous. Tyler, le petit Tyler Morgan? C'est vraiment en train d'arriver. Dios mio, j'y crois pas. Elle est où la blague, Gallo? Il paraît que tu roules pour le clan. Au début, je me suis dit, il est dingue, mais à ce point-là... Je plaisante pas. Lina va payer pour ce qu'elle a fait. Mais c'est qu'il est fâché, le petit Ty. Tu veux prouver quoi, cabron? J'ai un truc bien plus simple à te proposer. On en parle après la course. Lui nous met un peu trop la pression pour pas grand chose. Oh putain. On a pris quelques précautions face au clan. Tu comprendras sur place. Suis mes instructions. Sois là à l'heure et tu pourras faire la course. Oh non. Qu'est-ce que j'aimerais retourner à cette époque de Payback, les bas, où les jeux étaient encore bons, un peu, encore, un tout, faut le dire vite. Ne commence pas sans moi, Gallo. Bon, échec, on s'en branle. Ah putain. Oh là, oh là, oh là là, oh là. Qu'est-ce donc cette merde? Bien. Je crois que j'ai un peu trop joué à Monster Jam là. Ah les gars, demain ça va être énorme. Demain, je l'annonce, ça va être énorme car Carry Street sort. Alors ça aussi, pour que ça soit un pétard mouillé. Hein. J'ai mis tout mon espoir dessus les gars. Donc bon. Déjà ça va partir en gros modage de crédit pour s'acheter toutes les caisses. Merde. Alors ça, je suis vraiment trop con. Je conduis comme une bite. Pourquoi les manettes de PS5 elles durent pas longtemps? Les batteries, les gars, foutez-vous de la gueule de Xbox, mais au moins nous, on est bien. On est bien.
Donc culasse 13. ouais, bon, vas-y. De toute façon, on est obligé d'améliorer nos pièces. Donc, on est obligé, donc bon. Ah non, 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 on va pas accepter parce que là j'ai tendance à tout perdre. Alors pour ça les gars, faudra mieux de vos trottinettes, hein. On avait ça aussi, c'est vrai, les courses-poursuites, machin et tout, pendant que tu fais une course. Ah, c'était beau. Elle, j'y sais qu'elle a pas perdu de son talent, hein. Moi que vous le dis. C'est vrai que le jeu n'a jamais été réellement dur, hein. À part certaines courses, il n'y a pas forcément une difficulté accrue. Vous voyez? C'est ça que je veux en venir. Bah, en soi, un NFS n'est pas forcément très très dur. Il est vrai. Mais ça fait déjà presque 1 heure! Putain, mais ça passe trop vite! Il passe trop vite ce let's play! Oh merde! Passe beaucoup trop vite ce let's play! Hein. C'est moi que vous le dis! Hein. En fait, le truc c'est ça! Quand tu prends du plaisir à faire quelque chose, ça va toujours vite! Par exemple, quand t'aimes pas, bah, ça va doucement quoi! Comme la fin de TDU. Oh merde. Le milieu de Midnight Club. Allez hop là. C'est vrai de toute façon dans tous les let's play que j'ai fait, il n'y a jamais un let's play où ça s'est bien. Ah mais si. Mais si si, il y a des let's play où ça s'est bien passé les gars. The Run. Bon après parce que c'est l'un de mes NFS préférés quoi. War maintenant il est passé premier quoi. Il est passé premier très très largement. Saut accélération. Ouais, de toute façon, on est obligé. Hein. Il y a une caisse. Oh, mais putain! Je suis désolé, les gars, si je tousse. J'en peux plus. Ça va faire 3 semaines que je tousse.
que c'est encore le genre de plan qui a fait plonger tous nos gars. Cette fois, c'est pas pareil. Non, cette fois, c'est toi qui plonges. Ça. Incroyable. Le petit truc là, hop là, et je me casse. Allez là! Bim! Bon bah là on en repart ça. Ouais j'avais envie de faire ça, ça faisait longtemps. Une petite caisse d'appât, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait les gars. Voilà, hop là. Merde. Le seul truc qui était dommage avec les flics, ils étaient tellement scriptés. On va pas se mentir, hein, c'était vraiment scripté à la mort. Hein. C'était scripté vraiment à fond. Hein. Tu vois, là, on est à moins d'un kilomètre, les flics ne viendront pas nous chercher. Tu vois. Merde. Oh. Oh bah tiens, je la répare la voiture pour la casser après. Alors, bien sûr les gars, on achètera aussi des autres voitures. On va pas rester sur les voitures qui sont gratuites. Forcément quoi. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, ça nous fait gagner une petite speed carte gratuite. On va pas dire non quand même. Hein. Et ça nous permet d'améliorer notre voiture au max. Bientôt au max. Ah bah tiens, bah parfait, allez hop. Elle est où? Bah elle est en face. Ok. Oh merde. Ah oui, on a peut-être un peu trop amélioré notre caisse là. Effectivement, elle est bien améliorée. Alors je sais pas ce que c'est le chrono final. Ah bah c'est un chrono final, bon. Bon, l'autre, il s'est pissé dessus. C'est vrai que The Run, quand il repense, c'est vraiment un NFS par excellence. Tout y est, les gars. Tout. Je dis pas ça parce que je le kiffe, tu vois. Mais tout y est. Il y a tout. Mais putain, mais je suis vraiment un Goliot, là! Wow! Le jeu il est il tient tout le temps le multijoueur, c'est un vrai multijoueur, c'est un multijoueur de cowboy quoi. Ah le multijoueur les gars, fallait s'accrocher hein. Oh putain de merde, oh, quand j'y repense le nombre d'heures que j'ai pu passer sur ce multijoueur. Mais ça en valait le coup.
Enfin, tu vois, le jour où ils nous remettent l'autologue, on aura retrouvé un bout de vrai NFS. Tu vois? L'autologue, pour moi, c'était vraiment le... Mais l'autologue, le vrai autologue. Tu vois, l'autologue The Run. Pas l'autologue Payback ou... qui au final, pas foufou, quoi. Merde. Merde, oh là, oh là. Très laborieux. Putain. Vraiment très laborieux ce qu'on a fait. Allez. Balance la mission là. Hop là. Bon, bon, ça va, on est bien. Il y a du drag à faire ou pas après? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a... Il y a quoi à faire là? Off-road et mission. Ok. Putain, le off-road, on va en chier, j'y sens. Il sent qu'on va en chier. Faire un saut de 120. Gagner la course. Putain, mais on a 1 million là. Ah, c'est beau. Les gars, je suis concentré là, parce que bon, pour une fois qu'on fait pas une course de merde là. Bien évidemment, une fois que je parle. Le contraire se passe. Ah, dommage.
Mais moi, je crois qu'on les a poutrés, moi. On les voit même plus sur la mini-carte. Ben voilà, putain de merde. Donne-nous une bonne speed carte là, putain des sauts. Oh là. Ça, la rigueur, le saut, je veux bien pour le off-road. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse des sauts? Gallo, c'est quoi l'affaire? Pourquoi tu replonges dans ces plans foireux? Tu te rends compte? Le clan a failli tout nous prendre, tout. J'ai fait de la tôle. Même les flics leur mangent dans la main. Ouais, ne me fais pas peur. Je te connais. Si t'as besoin d'une excuse pour tout arrêter, je t'en donne une. À l'époque, je dis pas. Mais pas cette fois. Ça, c'est ce que tu dis. Mais t'as pas du tout l'air pressé de plus rouler avec nous. Je m'en doutais. La prochaine course est au barrage. Normalement, si je saute là. Oula. Ah, aujourd'hui, vraiment pas bon, JCK. Hein. Vraiment, alors vraiment, vraiment pas bon. Putain, on a bientôt la voiture. Alors, bientôt. Il y a encore du temps, mais on a bientôt la voiture, quand même, à 399. Hein. Il va peut-être falloir songer, peut-être, à acheter une Porsche ou une connerie comme ça, en fait. Et toi, tu roules ou tu perds en fait? Comment ça se passe, frérot? C'est la pédale de droite, connard. Dire que les gars, il y en a des. Je sais pas si vous avez vu un tweet de Skyrose qui disait, ouais, il avait retweeté en fait un commentaire qu'il avait eu sur une de ses vidéos où le mec s'offusquait parce que dans le jeu. Y avait eu des insultes ou je ne sais plus trop quoi. T'as les gars, vous en êtes à là quoi. Putain. Heureusement que le gars il passe pas sur mes vidéos parce que je pense que entre la misogynie, et ça pareil c'est pour rigoler, entre l'anti-wokisme, entre l'homophobie, alors encore une fois, hein, c'est décrit comme ça, mais je ne le suis pas, ça vous le savez. Mais ces personnes-là, ils auraient de quoi faire sur mes vidéos. Hein. Oh putain. Et puis alors sur mes lives, oh là 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 là. Ah bah ça serait foutu là. Ah bah là les gars, là je crois qu'on... Je suis mort dans le film. Hein. Je vais être mort dans le film. Oh merde. Mais vraiment. Hein. Et vous n'avez pas remarqué un truc. Moi, je vais vous dire un truc, un ressenti. Vous allez me dire que si vous avez le même. Alors, je sais que j'aurais peut-être dû commencer par là, parce que ça aurait été un sujet intéressant. Où est-ce que je garde le sujet pour la prochaine fois? Non. Non. Non, non. Je vais le dire maintenant, parce qu'après, je vais oublier. Vous n'avez pas l'impression que sur YouTube, il n'y a plus rien à regarder? Honnêtement. Maintenant, t'es, c'est tout du. T'as l'impression de regarder de la télé sur YouTube. T'es, c'est tout géré par de la prod, des machins, des ceci, des cela.
des émissions qui sont faites en fonction des comment s'appelle des partenariats, des machins. Eh les gars, putain, mais vous voulez pas revenir à l'ancienne? Je sais pas, il y a pas quelqu'un qui... Et je dis ça par rapport au gros, hein, les Squeezie, les JD, joueurs du grenier, les machins et tout. Après, il y en a la moitié que je regarde pas. Joueurs du grenier, je regarde pas. Squeezie, je regarde pas. Zerator, je regarde pas. Bon, en fait, tout ce qui est de gauche, quoi, je regarde pas. Et tu vois, et c'est là qu'on voit que. Ils font comme de la télé. Ils voulaient niquer la télé, mais ils font de la télé sur YouTube. C'est ça que je trouve dommage, tu vois. Et les gars, vous. Je sais pas, vous avez pas envie de. Je sais pas, non? Même sur Twitch, hein, sur Twitch, j'aime bien regarder les petits streamers, moi. Parce que quand tu regardes les gros, peut-être t'as de la boîte de prod, t'as machin, t'as même des trucs, c'est tout scénarisé. Ah, tu te dis. Oh putain, il y a quoi? Casser la voiture en deux. C'est tout scénarisé, des trucs, c'est chiant. Alors je ferais pas mieux, hein. Mais. C'est un truc, à l'époque je regardais 2-3 trucs, tu vois. Des fois je regarde des trucs, je suis pas forcément abonné, mais je vais voir. Mais maintenant c'est trop scénarisé, c'est tout, de la prod, de la prod, de la prod. C'est. Puis tu sais, ça me fait rire parce que. Peut-être font dire, ouais, non, mais on est obligé de faire ça avec les sponsors parce que nanani, nanana. Ben non, on n'est pas obligé de faire une vidéo. Il y a des, ils font des vidéos uniquement quand ils ont, entre guillemets, un sponsor. Putain, les gars. Merde, j'aurais dû échanger contre des jetons. Je sais pas, vous pouvez pas faire une vidéo comme à l'ancienne, normale, où tout le monde kiffait. Normal, tu te mets devant ta caméra, tu parles, tu fais machin, tu fais ceci. Non, je sais pas. C'est peut-être moi qui est pas normal. Mais c'est vrai que ça aurait été carrément mieux. Ça aurait été carrément bien que YouTube reste comme il était à l'époque. Ouais, je trouve ça un peu dommage que YouTube se meure, que beaucoup de choses se meurent au détriment de qualité, quoi. Parce qu'en fond, c'est de la qualité, mais YouTube s'est toujours battu pour éviter de ressembler à la télé. Tu vois. Et du coup, maintenant, ils font de la télé sur YouTube. Oh, t'as un peu de la schizophrénie, les deux, là. C'est un peu de la schizophrénie, moi je vous le dis. Je les écoute, les gars, ils pouvaient pas se voir, après ils s'aiment trop, après ils peuvent plus se voir, après ils s'aiment trop. Les 20 bornes, hein, putain. Bon, ça va, le truc du panorama, c'est pas le plus difficile. C'est principalement de la 2x2 voies, des gros virages où tu peux drifter. Et basta. Bon, l'autre, on l'a mangé, quoi.
une mauvaise idée de la provoquer, non? Tiens, c'est fou comme je connais la carte par cœur, quoi. Je connais vraiment la carte par cœur. Je vous avais dit quoi, les gars? Que de la 2x2. Faut vraiment qu'on règle le problème de nitro parce que là, il y a vraiment très très peu de nitro. Hein. Il y en a vraiment très peu. Et en plus de ça... elle se vide rapidement, quoi. Que ça allait pas passer. Putain, j'ai faim, putain! En même temps, c'est midi. Putain, moi, je suis quelqu'un, en plus, si je mange pas à heure fixe, hein, les gars. Ah, laisse tomber, je suis usé. Merde. Merde. Oh, bah, putain. Le Drift King, les gars, je vous avais dit quoi? Bon, à l'époque. Hein. Maintenant, l'époque est bien révolue. Hein, de ça. Hein. Je suis plus le Drift King. Hein. Pas de réponse, je crois qu'il est mort. Oula, oula, oula. Bim! Allez! 4:30, 44. Putain, on a éclaté le chrono. Il nous donne que des cartes de merde, c'est abusé quoi. C'est abusé. Allez. Là, on va commencer à aimer les casses, les gars. La Corvette Grand Sport. Bon, pas ça. Ça, c'est non. Ça, c'est en. Ça, c'est pas mal. Ça, en vrai, c'est pas mal. La 911 Carrera, honnêtement, c'est pas mal. Oula, pardon. Hop. Alors, attendez. Cargaison. On va essayer. Oh, putain, 5 cargaisons. Allez, bim, ouvre. Parce que là, les gars, on va pas... il nous faut des jetons. Parce que là, je pense qu'on va en chier au niveau des jetons... Le système de cargaison était plutôt pas trop mal fait. Mais je pense que ça aurait pu être mieux fait. Déjà, ils n'auraient pas mis le truc pas en pay to win, mais en truc pour acheter. Parce que je vous rappelle que vous pouviez dépenser de l'argent, acheter des speed points pour pouvoir acheter des cargaisons. Tu vois? Alors, tu gagnes. J'avais fait le truc, j'avais acheté, je crois, 20 balles à l'époque. Non, je crois que j'avais acheté 40 balles de trucs. Et j'avais fait un mort de trucs, quoi. Toi, tu prends combien En plus, tu avais les caisses premium.
Des jetons banque, les deux jokers, etc. Ce qui était plutôt pas trop mal, parce que si tu prenais 1200, attends, faut pas que j'y regarde, ça va me donner envie d'en acheter. Ah ouais, parce que les gars, je suis un pigeon, moi. Moi, je suis le bon pigeon. Moi. Moi, je suis le bon pigeon des familles, quoi. Allez, on va chercher notre 4x4, là. Putain, les gars, je sens que... En plus, j'ai faim, ça va m'énerver. Land Crotter. Alors, le Land Crotter. On va faire un truc. On va faire un truc, les gars. Parce que le Land Crotter, c'est bien. Mais vu que j'ai un peu de mal, est-ce qu'on changerait pas? Est-ce que ce serait pas la première voiture qu'on achèterait, les gars? Ce que j'allais dire, la Panamera. Ça peut nous être très utile du fait que déjà elle est à 230. Je sais pas. Je sais plus quelle voiture était bonne dans ce mode de jeu. Je sais qu'on m'avait parlé à l'époque de la Panamera, je m'en souviens. Mais vas-y, tu sais quoi? Vas-y, hop. Allez. On va tester ça, on va l'améliorer ensemble. Puis ça fait pas de mal un petit peu, tu vois, mettre une Porsche un peu dans la merde, ça fait toujours rigoler, quoi. Ouais, un peu effet la boiserie sur Payback, quoi, mais non, mais c'est pas là que je voulais aller, c'est là. Je sais plus quelle caisse hein, il fallait hein, pour des. Ça, j'ai un trou, tu vois. J'ai un trou. Parce que là, on est équipé en 8. Moteur. Alors, un moteur. Là, nous faudrait des marques Outlaw pour avoir le truc. Voilà, Outlaw, parfait. Vitesse, accélération, saut. Oh, parfait. Vraiment plus que parfait. Voilà, bonus. La transmission. Transmission. Ah voilà. On va faire mieux. On va faire un peu de la roulette russe, mais transmission, parfait. Parfait. Je le répète encore une fois, parfait. Voilà, il nous fallait une transmission, on l'a eu. Culasse. Culasse en outlaw. On va essayer comme ça, on va bien voir. Des fois, on peut avoir des surprises là-dedans. Voilà, moteur. Parfait. Alors là, je vote tout de suite. Je prends. Je prends. Je prends
totalement. Bon, c'est une culasse. Parce que de la outlaw, non. Alors, 1, 2, 3, 4. Il nous faudrait une culasse à outlaw et un échappement. Alors, culasse et échappement. Je suis pas sûr qu'elle soit réellement bonne, la Panamera, je m'en souviens plus. Putain, encore un moteur, quoi. Le pire, c'est qu'on est obligé de prendre. On est obligé de prendre. Parce que ça nous donne du 15. Putain, mais encore un moteur. Arrête, au bout d'un moment. Ah, quand même. Pourquoi tout le monde me fait chier? Je vous jure, les gars, c'est un truc de ouf. Ouais, bon, on est obligé de prendre aussi, quoi. Arrête avec les moteurs, frérot! Arrête avec les moteurs là, il nous faut plus un moteur là, il nous faut une culasse. Ouais, je prends aussi. Ah, ça me fait plaisir, ça, tu vois. Bref, on va être obligé de faire autrement. On peut pas laisser une culasse 8 et un turbo 8. Putain. Et tu paries que là, il va me donner la outlaw en turbo? C'est sûr? Et voilà. Les gars, je vous avais dit quoi? Oui, on a le bonus x3, je suis con. Quoique, ça veut rien dire. Bon, on monte. C'est déjà bien, on monte. Parce que là, pour le moment, c'était vraiment pas ouf, hein. On va refaire un coup turbo. Son objet. Je pourrais faire ça toute la journée, les gars. Je kiffe. Parfait. Putain, maintenant, c'est le calculateur et la culasse, quoi. Putain. Non, mais la culasse, on va aller chercher une culasse tout de suite, en fait. Allez. Donne. La Panamera, les gars, elle va être à 399 en fait. Calculateur, on va chercher choper le calculateur avant. On approche les 1000 chevaux, les gars. La Panamera, les gars, elle va être. Par contre, la transmission, elle m'a fait pitié. La transmission me fait pitié. Par contre, c'est terminé, la Outlaw, nous en donne plus. Oh, bah alors, certainement pas. Bon, là, c'est plus intéressant quand même. Là. Bon, c'est la même, je crois.
Putain, on a perdu le bonus, putain! Faudrait qu'on... Après, on va pas s'attarder sur le bonus, mais j'aimerais bien avoir au moins un bon gros truc, tu vois. Tu vois, comme ça, là, c'est ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Voilà, bim, allez hop, on prend. On va s'arrêter là, hein. On a... Ouh. Ok. Bah, let's go. Je vous dis, les gars, ça, je peux le faire, mais... Puis à l'époque, quand j'avais mode mes jetons, machin et tout, déjà, j'en avais déjà beaucoup de base, des jetons. Mais alors... Merde. J'avais déjà beaucoup de jetons, j'avais beaucoup de trucs à l'époque quand j'avais... Quand j'avais beaucoup joué. Mais là, allez, bah, il y a des moments. Je passais 2 heures à faire toutes mes voitures. Bah oui, il y avait quand même le ranked, les gars. Les gars, aujourd'hui, je suis nul. Ah, il y a des jours avec, des jours sans. Ouais, je pense qu'on est bien en recommandation. Ouais, je sais pas vous, mais je crois qu'on est plutôt bien. Que personne n'a eu les tripes de se frotter à mon crew. Des tripes? Ça, tout le monde sait que j'en ai. Tout le monde. C'est que tu me connais mal, alors. On m'a parlé de toi, l'artiste. Mais je suis désolé, mon chou, ce crew est bien trop fort pour toi. On fonce, on collectionne les cicatrices. Moi, c'est Face. Tu veux rouler pour moi? Alors survie à notre défi. On commence par la route du fleuve. L'autre, avec son nom de crew imprononçable, elle croit que quoi? Tu crois quoi? C'est un grand jour, les filles. Combien de temps va durer l'artiste? Tu prends les paris. Bon, déjà, je vous mets une tempête. Place à la course. Simone! En voiture, Simone! Putain, Simone, je l'ai dégagée. T'as les gars, j'ai trop joué à Monster Jam. Du coup, j'ai l'habitude que mes joystick, que le deuxième joystick, qui est considéré comme celui de la vue, et ben en fait sur Monster Jam, c'est un comment ça s'appelle? C'est pour gérer la transmission arrière, bah la direction arrière, parce qu'il y a deux directions dans Monster Truck. Oula. T'as les gars, on va bientôt arriver à la course ignoble.
cette course infâme. Oula, oula. Voilà. Ton crew de meuf là, ça dégage. Bon, les speedcards vont pas être folles. Hein. Voilà. On le savait. Avania. Ah, c'est là où il y a le speedcross. Oh bah ça c'est large faisable. Bonne nuit. La Porsche, elle est d'une simplicité. Après, le off-road sur ce jeu, j'ai jamais aimé. Alors, pourquoi j'ai jamais aimé? Parce que la conduite... Alors, c'est un problème et non un problème. C'est que je trouve la conduite vachement fluide. Au niveau de la direction. T'es, on ressent pas. Peut-être t'as l'impression de rouler sur de la... Pas sur de la terre, t'as vraiment l'impression de rouler sur la route, mais avec un comportement différent. Ils ont pas fait un gameplay pour... pour chaque truc. C'est... ouais, on reste sur le même truc, quoi. C'est la même façon de piloter, mais avec des boss. Et ça, je trouve ça dommage de pas avoir fait un gameplay off-road... drift spécial, tu vois. Un peu comme ils ont fait sur Unbound. Tu vois, maintenant, le drift, il est totalement différencié de l'autre gameplay, quoi. Je commence à prendre mal au dos. Putain. Vous savez quoi, après les gars, je viens d'y penser. On va laisser la Julietta tranquille. Et on va aller s'acheter une hypercar. Bon, allez, regardez ce qu'est un hypercar. Comme ça, ça sera fait. On aura déjà la voiture. On ne l'améliorera pas tout de suite. Le temps de faire le plein de jetons. Et comme ça, après, on ira un peu la taper, tu vois. Parce que mission, il n'y a pas besoin d'améliorer la caisse, pas plus que ça. Donc, vu qu'on fait pas de course. Wow. Lâche pas, t'y es presque. Bon, je lui ai mis presque un tour d'avance. Incroyable. Putain. Tac, hop, ça dégage. Ouais.
Donne-nous de la merde, on ne dira rien, quoi. Ouais, non. Non, non, ça m'intéresse pas. Hop, on va faire ça tout de suite. Pour quelqu'un qui s'est fait jeter de Silver Rock, t'as du mordant, je dois le reconnaître. Il est où le truc déjà ? Quel dommage. J'avais hâte de voir si tu es capable de remettre le clan à sa place. C'est pas fun. On va regarder ce qu'on a. Parce qu'après, je vais plus y penser. On va dépenser de l'argent bêtement. Et je vais me retrouver baisé. Il y a bien un truc que j'ai appris sur ce jeu-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Mais alors, vraiment. Encore une fois. Vraiment. Ouais, non, mais en fait, les hypercars, elles sont pas là. Elles sont pas encore là. Au chapitre 5, enjeu élevé. Ah, bah oui, forcément. C'est tout au prochain. Bon, bah, ce sera la prochaine fois. Parce qu'on va pas acheter une caisse, honnêtement. On va pas acheter une caisse, tu vois ce que je veux dire. Ah. Mais bref. On va s'arrêter là, les gars. Alors, désolé de pas faire 2 heures. La prochaine fois, ça fera, on fera 2 heures. Mais les gars, là, faut que je mange et après, faut que je parte en live. Donc, du coup, voilà quoi. Du coup, voilà. Pareil, on va faire tout ça, NC4. NC4, les gars, on va faire tout. Tout ça. Parce que ça nous donne pas mal de thunes et tout. Donc, si je veux m'acheter une bonne caisse, je pense qu'on se prendra la meilleure. Les épaves, dites-moi si vous voulez qu'on fasse les épaves. Parce que moi, honnêtement, je m'en fous. Hein. Les épaves, les gars, je sais où elles sont. Il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas là pour terminer, pour faire ces choses-là. On est là pour l'histoire, pour l'amour de l'histoire. Donc... Donc voilà quoi. Donc, attendez. Je vais voir un truc, mais. Bref, on est là pour l'histoire, on n'est pas là non plus dans un premier temps pour finir le jeu à 100%, et etc., etc. On est là dans le but de faire l'histoire pour le let's play. Mais ça, tout ce qui est les collectors, s'il faudra qu'on y fasse, parce que ça va nous aider. Ça va nous aider, il y a un moment où on va devoir payer des grosses caisses. Puis quand tu vois le prix de certaines caisses, ben bon, voilà. Après, c'est pas difficile hein, à aller chercher. C'est pas difficile du tout, donc voilà. Bref, et eh ben qu'est-ce qu'on peut mettre comme hashtag de fin Hashtag nul, ouais, hashtag nul. Parce que ouais, je pense que je vais je pense que le titre, ça sera nul, JCK, nul. Parce qu'on n'a pas été bon. On n'a vraiment pas du tout été bon dans le let's play. Hein. On n'a pas été bon du tout en conduite. Hein, j'aurais pu largement mieux faire. Enfin, bon, c'est comme ça. Bref, petite cargaison à ouvrir avant la fin. On les garde, non, on n'a plus rien. Bon, ok, allez, let's go. C'est fait. Bref, en tout cas, les gars, je vous remercie. On se retrouve prochainement hein, en live. Et bien évidemment, demain, n'oubliez pas le let's play. Demain, jeudi, sortie de Carrick Street. Donc, les gars, sortie de Carrick Street, on live. Pas savoir, pas chercher, etc., etc. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, encore une fois, merci. Et puis... le petit like, c'est la récompense. N'oubliez pas, dans la description, à tout pour vous faire plaisir, les liens Instant Gaming et tous mes réseaux pour me follow. Bref, c'était JCK.